Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, merci de votre participation à cette présentation de la TimeTest CT350 ainsi que du logiciel NC-Simul pour la simulation et l'optimisation de votre code G. Donc, je me présente. Mon nom est Frédéric Nadeau. Je suis directeur de territoire pour la compagnie Megatel ici au Québec. Je suis accompagné aujourd'hui de Sylvain Poissy, qui est le directeur général de la division manufacturing de la compagnie Hexagone. Donc, avant de commencer la présentation technique, je veux juste prendre quelques instants pour présenter Megatel, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Megatel existe depuis 1980. Le bureau d'origine est le bureau à Montréal. À partir de là, il y a 6 techniciens qui travaillent pour soit faire la maintenance, soit réparer ou encore donner la formation sur des machines à commande numérique. Au début des années 2000, Megatel a ouvert un bureau à Mississauga, en Ontario. On retrouve plusieurs de nos machines en inventaire à cet endroit-là. Plus récemment, en 2016, Megatel a ouvert un bureau à Windsor, en Ontario, pour couvrir là, cette région-là qui est très populaire pour tout ce qui est moule. Megatel, on est présent dans plusieurs écoles, que ce soit l'Université de Sherbrooke, l'Université McGill, que ce soit dans le coin de Québec avec Neuchâtel. Entre autres à Cowansville, le campus à Cowansville, à Saint-Jérôme et autres. Donc, on est vraiment présent un petit peu partout à travers le Québec. La même chose pour ce qui est des clients industriels. On a au-dessus de 800 clients industriels ici au Québec et en Ontario. On va parler des compagnies comme BRP à Valcourt qui ont plusieurs de nos machines, Multifarm qui est à Québec qui ont plusieurs de nos machines, Dalcotech qui est en Estrie qui ont plusieurs de nos machines également, JVTech également. Que ce soit des compagnies comme NSE Automatech dans la Montérégie, entre autres, qui utilisent nos produits, PCM Innovation dans le domaine, entre autres, aérospatial, le moule Mirplex, Verbon, qui est un client important, nous autres également, que ce soit A7 Intégration, entre autres, qui utilisent nos produits. On a aussi des clients à nouveau dans le coin de l'Estrie, qui est Atelier Bélanger, Concept Tromec, entre autres, qui utilisent nos produits d'Alcotech. Donc, on est un petit peu partout au Québec et en Ontario, évidemment. Maintenant, si je prends quelques secondes pour présenter la compagnie Tongtai. Tongtai, c'est une compagnie, dans le fond, qui existe depuis 1969. Elle a une valeur d'à peu près 77 millions de dollars en bourse, puis elle emploie environ 800 employés à travers le monde. On peut voir ici le siège social de Tongtai, qui est à Taïwan. Maintenant, si je focus plus sur la présentation de la machine en soi, la CT350, visuellement, on peut voir que c'est une machine qui est quand même compacte. C'est une machine qui a un plateau d'à peu près 14 pouces de diamètre. On peut mettre environ 440 livres sur la table. Par défaut, elle vient avec une broche de 15 000 RPM, ce qu'on appelle Direct Drive, mais on peut avoir également une broche en option de 20 000 RPM, effectivement. Ce qu'on appelle built-in ou électrobroche là, en français. C'est une machine qui se déplace rapidement. On parle de 36 mètres minute par 36 mètres minute par 30 mètres minute. Pour ce qui est des indexations, c'est également assez rapide. Là, on parle de 33,3 révolutions par minute pour l'axe A. Et pour l'axe C, on parle de 40 révolutions par minute. La machine, par défaut, elle vient avec un CAT40 Big Plus. Mais il peut avoir d'autres options également selon les choix des clients. Par défaut, elle vient avec un magasin 24 outils, mais on peut avoir un 30 ou un 40 outils également. La machine qu'on a présentement en inventaire, elle vient avec un contrôleur Heidenheim TNC. Par contre, vous pouvez l'avoir avec le Siemens 840 ou encore le Fanuc selon vos choix. On peut voir ici c'est quoi l'axe A. Donc, on peut voir l'axe A qui est ici ainsi que l'axe C. Puis on peut voir un petit peu la machine là, déshabillée, c'est comme que j'appelle. La machine a été étudiée par Éléments Finis. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, dans le fond, ils vont rajouter des endroits de la matière extra pour avoir plus de rigidité. Puis à d'autres endroits, ils vont essayer d'alléger où ce qu'ils n'en ont pas besoin. Dans le fond, elle vient avec des vis avec charge. Ça veut dire que les vis sont déjà sous charge. Ce que ça fait, c'est que pour ce qui est de la dilatation thermique, c'est beaucoup mieux dans ce cas-là. Elle va être moins influencée. La machine, dans le fond, elle vient avec le principe pour dégager le copeau sur chaque côté.
Puis elle vient avec deux vis sans fin qui amènent le copeau à l'arrière de la machine à commande numérique. Puis on a certaines buses un petit peu partout pour pousser le copeau vers justement les vis sans fin. L'espace de travail, donc la partie qui est en bleu clair ici, c'est la pièce. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout que la machine peut aller en angle négatif. Donc, utiliser le terme anglais, là, quand on a des undercuts, donc des angles qui sont techniquement pas possibles, on est quand même possible d'y aller jusqu'à moins 30 degrés, dans le fond, moins 120 degrés. Donc, ça fait moins 30 degrés par rapport à l'horizontale. Je ne vais pas commencer à dire chaque mesure une après l'autre, mais ce que je veux vous présenter, c'est que c'est une machine qui est compacte. Donc, gardez ça en tête. Un point qui est très, très important, c'est que tout ce qui est de la table 5 axes, on utilise ce qu'on appelle des roller gears, comme on peut voir ici. Donc, une espèce de vis, on pourrait dire une vis sans fin, à l'intérieur aussi avec des roulements à billes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va éliminer ou du moins diminuer grandement ce qu'on appelle le backlash. Ça va donner une grande précision de positionnement. Puis peu importe, dans le fond, ça va diminuer le contact. Donc, moins de contact, moins de friction, moins de friction, moins de chaleur, plus de précision dans ce cas-là. C'est plus durable aussi que ce qu'on appelle les warm gear. Donc, les roller gear sont plus durables que les warm gear. Puis, on a un mécanisme de frein là, assez puissant là, pour maintenir les pièces. On peut voir ici ce que ça fait quand on utilise, dans le fond, le roller gear. Donc, la partie vibration, elle est coupée de façon importante. Donc, on peut le voir autant sur l'axe X que sur l'axe Y. Puis, le RA, qui est le fini de surface, ben, va être influencé. Donc, on va avoir un fini de surface qui va être beaucoup plus beau avec le principe des roller gear versus les warm gear. Donc, je vais partir une petite vidéo pour vous montrer un peu l'usinage qui peut être effectué avec la machine Tongtie. La machine, elle est conçue pour être. De donner la possibilité, pardon, de faire de l'usinage en high-speed machining. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Présentement, on voit utiliser un outil de 8 mm avec une avance de 5387 mm/min puis une profondeur de passe de 16 mm. Donc, je peux aller un petit peu plus loin pour vous montrer également que la machine peut faire aussi du 5 axes simultané. Donc, particulièrement avec le contrôleur Idonine, qui est un contrôleur très performant, on est capable d'aller en 5 axes simultanés dans ce cas-là. C'est ce qui met fin à la présentation de la Tongtie CT350. Maintenant, je vais passer la parole à Silver. Donc, Silver, c'est à toi. Merci Frédéric, très belle présentation pour cette machine CT350. Donc Hexagone, on a un pôle qui s'appelle le Manufacturing Intelligence, dans lequel on a des logiciels de design and engineering avec MSC pour la recherche et développement sur les pièces et produits. Le deuxième pôle, c'est la partie production, dont fait partie NCSIMUL. Donc on a des systèmes CAD, CAM et de vérification de G-code comme NCSIMUL. Et la partie métrologie, qui est donc le troisième pôle pour Hexagone Manufacturing Intelligence, dans laquelle vous retrouverez du métrologie hardware et software. Notamment, nous sommes très connus pour les machines CMM, les outils de palpage et également les laser trackers pour faire de la mesure en balayage. On a également un système de gestion d'assets pour tous ces logiciels autour du Manufacturing Intelligence. Pour aller plus précisément sur la partie NCSIMUL et quelques utilisateurs de la simulation NCSIMUL, voilà quelques marques qui utilisent NCSIMUL en Amérique tout au long de l'année et depuis quelques années. Nous avons également des clients, bien entendu, sur le Québec, avec, pour exemple, Composite VCI, mais également Hutchinson ou PCM Innovation, dont tu as mentionné le nom tout à l'heure, Frédéric. Donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir, on a des petits clients et des très grosses structures qui utilisent NCSIMUL tous les jours pour la vérification et l'optimisation. Donc qu'est-ce qui fait qu'NCSIMUL est unique? Je vais résumer ça en deux phrases. Le premier, c'est NCSIMUL est un digital twin universel pour les machines à commande numérique pour vérifier et optimiser le programme des machines. On va compléter avec NCSIMUL le système CAD/CAM afin de garantir un programme 100%
Error free et crash free. Donc très clairement, vous n'avez plus d'edit à faire une fois que ça a été validé dans NCSimul. Et en fait, le principe d'NCSimul, c'est de lire le code de la machine directement, ainsi que toutes la logique et toutes les variables de vos machines CN. Voilà les quelques problèmes qui apparaissent si vous n'utilisez pas un simulateur NCSimul avant votre Tongtai ou avant quelconque CNC machine. Bah, lors de la mise au point de la machine, vous allez utiliser cette machine pour faire les réglages et vous allez prendre des risques. D'une part, vous pouvez casser les pièces, vous pouvez casser les outils, mais également vous pouvez casser la machine, ce qui peut être beaucoup plus dramatique puisqu'une broche aujourd'hui coûte facilement 30, 40 000 ou voire 50 000 $ à remplacer, sans compter le temps qu'il va falloir prendre pour réparer cette machine et produire la production qui n'a pas été produite lors de cet arrêt machine. Même si vous ne cassez pas la machine, les outils ou la pièce, ce qui peut être dramatique, utiliser la machine pour faire les mises au point programme, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour votre machine parce que vous avez acheté une machine pour produire des pièces, non pas pour faire la mise au point de la machine. Et je vais vous aider dans quelques minutes à faire un calcul rapide de ce que ça vous coûte tout au long de l'année. Durant la production, NCSimul va également pouvoir vous aider parce qu'on sait que vos outils et vos machines sont mal utilisés. C'est-à-dire que très clairement, vous pourriez aller plus vite avec votre machine. Et parfois, si vous utilisez des vitesses d'avance qui ne sont pas appropriées sur le matériau et la machine, vous allez casser l'outil ou user l'outil prématurément, comme vous pouvez voir sur ces exemples à droite sur les photos. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à la partie vérification et qu'est-ce qui fait que c'est un gros problème de faire la mise au point sur la machine, sur la vraie machine. Tout simplement, si vous faites un calcul de coût de ce que ça vous coûte, vous allez vous rendre compte que vous auriez tout intérêt à acheter une machine dans NCSimul, une simulation numérique, pour faire vos mises au point. Si on prend cet exemple pour une CT350, donc une machine, on va dire que vous passez entre 7 à 8% du temps pour faire la mise au point, ce qui est plutôt raisonnable, et que vous produisez en deux shifts. Même si on prend un coût plutôt modéré de 75 $ par heure pour cette machine, pendant un an, ça va vous coûter 25 000 $. Et c'est sans compter le remplacement des matériaux que vous allez mal usiner, des pièces qui ne seront pas bonnes, et les outils que vous pourriez éventuellement casser lors de la mise au point. Donc un ROI qui est bien en dessous du 12 mois, donc quelque chose qui est très facilement valorisable pour votre management et d'expliquer que d'avoir un jumeau numérique, ça permet d'accélérer les mises au point des programmes sans utiliser la machine. Où est-ce qu'on se situe avec le processus NCSimul? Vraiment au cœur du process de création des programmes et de mise au point des programmes pour la production. Donc à gauche, vous avez le système de programmation qui vous permet de générer un code G, le CAM. À droite, vous avez le démarrage de la machine avec le programme ISO, donc le setup et l'usinage de la pièce. Et le Digital Twin proposé par NCSimul vous permet de faire la mise au point, la vérification, l'optimisation et la documentation technique. Donc on va plutôt se pencher sur la partie vérification et optimisation aujourd'hui, mais sachez qu'avec NCSimul, on est capable de générer un document technique en quelques clics depuis la simulation. Bien entendu, quand on s'intègre à un processus, c'est important de récupérer des informations à gauche et à droite. Donc, on va récupérer les setups outils et les setups parts depuis le CAD et le CAM directement dans NCSimul. Et bien entendu, on va récupérer l'information de la machine pour intégrer non seulement le 3D de la machine, donc la cinématique de la machine, mais la logique de la machine. Et si vous utilisez des accessoires tels que le palpage, tels que les tables non conventionnelles sur votre machine, on va être capable de les intégrer sur ce jumeau numérique pour faire l'usinage de la pièce du début à la fin et d'avoir un vrai résultat. Depuis ces CAM, vous allez avoir une intégration directe avec NCSimul, c'est-à-dire que vous cliquez sur un bouton et ça va exporter le setup pièce, les setup outils directement dans la simulation NCSimul ainsi que le programme G-Code. Les bénéfices de la simulation en quelques lignes. Donc, un, c'est d'éliminer les longues mises au point sur la vraie machine. Donc, vous allez également pouvoir accélérer la mise au point de nouvelles machines que vous recevez en atelier. Donc, si vous achetez par exemple la Tongtai CT350 de Megatel, avec NCSimul, vous allez pouvoir accélérer cette mise au point parce que vous allez pouvoir tester les stratégies en amont sans avoir à faire de longues
tests sur la machine elle-même, puisque bien entendu, dans le jumeau numérique, on va pouvoir multiplier le temps et aller beaucoup plus vite que dans la réalité. Vous allez pouvoir avoir plus de confiance sur les programmes que vous lancez sans assistance, sans surveillance. Bien entendu, vous allez éviter les collisions et les arrêts machines dus au casse ou aux mises au point après des crashs. Et bien entendu, l'objectif d'NCSimul, c'est d'assurer que vous avez un bon programme qui va dans l'atelier. Donc, avant de prendre le programme des bureaux méthodes et de le mettre en machine, vous avez la garantie qu'il n'y a pas de collision, qu'il n'y a pas d'erreur et que tout va bien fonctionner dans la machine. Dans cette présentation, je vais faire une démonstration de la machine CT350. Et donc, tout simplement, je vais basculer sur NCSimul. Je vais dérouler la simulation en trois étapes. Donc, la première étape, c'est la vérification du code G. Donc, on a NCSimul qui décode intégralement le code et automatiquement va vous dire ce qui ne va pas dans le code G. Donc, que ce soit des erreurs de syntaxe, des hors-courses, directement, cette première étape va vous mettre en lumière ce qui n'ira pas dans la machine. C'est un peu l'équivalent de l'alarme que vous avez sur le contrôle quand vous chargez un programme dans la machine. La deuxième étape, c'est la simulation ou la vérification. Donc là, on va voir l'usinage de la pièce virtuelle, mais également on va détecter toutes les collisions ou tout ce qui ne se passe pas bien lors des mouvements. Donc étape numéro 2. Et étape numéro 3, c'est simplement l'inspection de la pièce après l'usinage. Et pour ça, on va avoir quelques outils disponibles dans NCSimul. Ensuite, une fois que j'aurai terminé cette vérification, je vais vous montrer très brièvement l'optimisation dans NCSimul. En quelques clics, on va pouvoir sauver du temps dans cette machine. À gauche de mon écran, on a ce qu'on appelle l'arborescence du projet, dans laquelle on a la machine qui est sélectionnée pour ce projet. Donc, encore une fois, quand vous venez d'un système FAO, d'un système CAM, le système CAM va vous permettre de sélectionner la machine dans laquelle on va vérifier le code G. Le système CAM va créer le setup avec les fixations et le brut tel qu'on l'a ici. Et bien entendu, si vous n'avez pas un lien avec votre CAM dans NCSimul, vous pouvez toujours créer tous les éléments indépendamment dans NCSimul. NCSimul va aussi créer la librairie d'outils depuis le système de programmation. Et pour finir, on a deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Et c'est très intéressant, ça paraît très anodin, mais en fait, c'est la copie de l'écran de votre machine qui vous permet de renseigner, par exemple, des origines ou des compensations d'outils instantanées. Donc, encore une fois, c'est une copie d'écran qui permet de faire les réglages que vous feriez sur la machine directement dans NCSimul. Très intéressant. Et le dernier élément, tout simplement, c'est le programme ISO. Là, simplement pour vous montrer ce qu'on est en train de charger aujourd'hui, je vais prendre un éditeur de texte tel que Notepad. Et simplement, ce qu'on voit ici, c'est le code ISO qui va être chargé dans la machine ou éventuellement corrigé dans NCSimul avant d'être chargé dans la machine. Le panneau du bas, c'est ce qu'on appelle la fenêtre des informations. Et le premier panneau qu'on voit ici, c'est le logger en fait. NCSimul, dès le chargement du programme, et je vais le refaire pour vous en live, parce que je l'avais préchargé avant de vous montrer NCSimul. Simplement, on va charger le code de la machine. Et lors de ce chargement, comme vous pouvez le voir ici en bas, on va décoder le code intégralement et détecter toutes les erreurs qui sont liées au code G. Ici, sur la partie droite de l'écran, on a la fenêtre du programme dans laquelle on a le code ISO intégralement, mais également les subroutines qu'on va appeler dans la machine. C'est une chose très importante pour NCSimul. Non seulement vous allez décoder le programme ISO, mais vous allez également vous intéresser à tout ce qui est sous-programme. Et bien entendu, on va le décoder et le simuler pour détecter les erreurs liées au sous-programme. Une autre chose qui est disponible dans le panneau du bas information, c'est le statut de la machine. Donc pour chaque bloc, NCSimul va avoir renseigné toutes les informations de position, de vitesse, de rotation de broche automatiquement depuis NCSimul. Si je zoome sur la pièce, ici on voit simplement on a potentiellement une collision. C'est simplement dû au fait qu'on n'a pas chargé d'outils dans la broche avant de lancer l'usinage. Mais si je reviens un petit peu en arrière dans le programme, ici, on va s'intéresser au toolpath. Donc, on a deux couleurs qu'on a à l'instant T, le rouge qui est le rapide et le bleu qui est les avances en vitesse de coupe. Donc, si je clique sur les trajectoires, on va mettre en position
l'outil. Donc là, encore une fois, j'ai cliqué sur l'outil de débauche qui n'a pas d'outil chargé en broche, puisqu'on a une erreur dans le programme qu'on va corriger. Mais simplement, il suffit de cliquer sur la trajectoire et d'activer la trajectoire. Je vais m'intéresser donc l'étape numéro 1 à la première erreur qui est le fait que j'ai pas d'outil en broche qui s'appelle l'outil numéro 10. Donc ce qui se passe, c'est dans ma librairie d'outils, j'ai deux outils, l'outil numéro 1 et l'outil numéro 2. Le post-processeur a généré un appel outil 10 qui n'existe pas. Donc ce que je vais faire simplement, je vais corriger à la volée comme si j'étais en machine l'appel de l'outil. J'ai un autre choix, je pourrais charger mon outil sur une autre poche. Mais là, je fais le choix arbitraire de modifier mon programme et je pourrais très bien le faire depuis mon système CAM, repost-processer et simplement rafraîchir mon programme dans NCSIMUL. Donc voilà, on n'a plus d'erreur. La première étape, la correction des programmes est terminée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement basculer sur la partie simulation. Et là, je vais utiliser tout simplement le bouton Play. Je vais enlever les trajectoires pour voir ce qui se passe. Accélère un petit peu parce que j'ai pas besoin de voir dynamiquement tout ce qui se passe. Et ici, on voit tout de suite que le logger est en train de charger des erreurs. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais faire une pause et je vais m'intéresser à l'erreur qu'on voit apparaître. Donc, ici, j'ai un usinage avec la broche arrêtée. Tout simplement, on a envoyé l'outil dans la pièce sans lancer la rotation. Donc, c'est une erreur qui peut arriver par inadvertance. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'étape numéro 2 simulation va détecter toutes les erreurs qui sont liées au mouvement. Donc, que ce soit un rapide dans la matière, que ce soit une collision entre les éléments, la machine, la fixation, le brut, ou également si on essaye d'usiner sans rotation de broche, si on essaye d'usiner avec la partie non coupante de l'outil, NCSIMUL va vous mettre un warning et dire c'est pas possible, vous allez faire du bruit dans la machine. Donc, là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un code M au démarrage de la machine. Tout simplement, je vais remplir et je vais dire, tiens, ici, je vais lancer la rotation de la broche et voir ce qui se passe avec cette nouvelle modification. NCSIMUL recharge le programme comme on l'a vu précédemment, donc afin de s'assurer que je n'ai pas créé de mauvais code. Et maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais relancer la simulation. Et regardez ce qui se passe dans la broche. Donc là, j'ai plus d'erreur d'arrêt de broche dans la matière. Et je vais simplement accélérer pour regarder l'enlèvement de matière. Donc là, je peux faire un zoom, des rotations. Il n'y a jamais d'arrêt de simulation ou de rafraîchissement. Je peux également m'intéresser à la pièce uniquement sans avoir la machine. D'accord? Donc encore une fois, je peux avoir la vue intégrale et voir ce qui se passe ou sinon seulement la pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir parce qu'on va avoir de la simulation de code avec du 5 axes. OK. Donc là, c'était de l'ébauche principalement. Et maintenant, on a une partie 5 axes où on va voir tous les mouvements de la pièce tout au long du 5 axes. Donc c'était très rapide. Et encore une fois, je peux cliquer sur les surfaces, positionner mon outil. Je peux également sélectionner la ligne que je veux simuler. Et si je veux, je peux simplement remonter dans le programme et montrer toutes les étapes de l'usinage en 5 axes comme ceci. Donc voilà, c'est l'étape numéro 2, c'est la simulation. Et maintenant, je vais basculer sur l'étape numéro 3, qui est la partie analyse du résultat. Donc pour ça, je vais utiliser un premier outil qui est la mesure. Donc je vais par exemple mesurer la distance entre le haut du S et le bas du S. Donc simplement, je vais m'appuyer sur une des surfaces. Il faut que j'aille chercher la surface, donc par exemple celle-ci. Et on va avoir la distance de 0,375 inches entre le haut et le bas. On a une infinité de mesures que l'on peut faire avec ces outils-là. Je vais sortir de l'outil de mesure, m'intéresser maintenant à un autre outil qui s'appelle la coupe, donc la section. Je vais basculer en vue pièce, ça sera plus pertinent. Et là, tout simplement, je peux balayer ma pièce et c'est très utile quand on a, par exemple, des pièces avec des poches et qu'on veut faire des mesures ou des comparaisons en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un autre outil d'analyse. Et le troisième outil d'analyse dont je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui parce que je n'ai pas la pièce de design, c'est comparaison, gouge et surplus of material. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la simulation et m'intéresser à la partie optimisation. Donc pour ça, j'ai un bouton ici qui est optimisation des programmes. Je vais aller très très vite, pas aller dans le détail, mais bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper vos questions sur le panneau
question and answer du GoToWebinar. Tout simplement, je vais vous montrer dans les réglages. Simplement, je vais régler une segmentation de la trajectoire à 10% du diamètre de chaque outil. Je vais sélectionner le programme à optimiser, les outils à optimiser et lancer la compilation de l'analyse de coupe. Donc une fois que l'analyse est terminée, on a les résultats par outil des AP, AE, AD max, tous les paramètres des outils ainsi que l'avance à la dent, les épaisseurs de copeaux, le débit copeaux pour chaque outil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'outil d'optimisation. Et là, NCSimul va optimiser dans la matière et hors matière toutes les trajectoires pour réduire les temps. Une fois que l'optimisation est terminée, on a le résultat et je peux tout simplement afficher par comparaison la pièce d'origine qui est à gauche. Donc ici, on voit les trajectoires d'origine avec un temps de coupe de 50 minutes et 42 secondes. Et simplement par optimisation dans NCSimul, comme vous l'avez vu en quelques secondes, on a optimisé les rapides lorsqu'on était hors matière. On a également optimisé les avances dans la matière avec l'épaisseur de copeaux. Et on a obtenu un temps de 40 minutes et 37 secondes. Donc on a sauvé 20% de temps de coupe. Bien entendu, c'est uniquement 10 minutes quand on parle d'une pièce, mais si on a une série de 100 pièces, vous faites le calcul. Ça va très très vite. Pour chaque bloc qui a été réécrit ou qui va être réécrit avec NCSimul, vous avez la nouvelle condition de coupe ici, l'ancienne condition de coupe. Donc là, vous voyez qu'on va faire évoluer les avances tout au long de la matière. Une fois qu'on a terminé, il suffit d'appuyer sur Générer et on va générer le nouveau programme optimisé par NCSimul, tout simplement. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper vos questions dans le panneau questions du GoToWebinar. Et maintenant, je vais retourner sur la partie présentation pour finir avec une offre exclusive dédiée à votre Tongte CT350. On a d'autres offres pour d'autres machines, mais spécifiquement aujourd'hui pour cette machine, on a un package turnkey incluant la licence, la machine virtuelle. Et c'est valide pour une machine 5 axes, bien entendu. La souscription de 12 mois a un coût de 4 400 $ canadiens, tout simplement. Donc, ça inclut encore une fois la machine virtuelle mise au point pour votre machine et la licence d'exploitation. À ça, vous avez simplement besoin d'ajouter un training de 6 fois 2 heures en ligne, très très affordable, pardon, très peu coûteux. Et vous êtes bon pour utiliser NCSimul avec votre Tongte CT350. En quelques lignes, NCSimul est facile à utiliser. Tout est disponible depuis le panneau central d'NCSimul. Vous allez suivre les mises au point avec trois étapes, qui est l'analyse du code G, la simulation et l'analyse du résultat. N'oubliez pas qu'avec NCSimul, vous allez également lire les macros et les subroutines intégralement. La rapidité de simulation, la carte 3D sont des avantages NCSimul. Et pour terminer, l'apprentissage court de 6 fois 2 heures pour prendre en main le logiciel, très simplement. Merci. Donc maintenant, on va se pencher sur les questions et réponses que vous avez posées lors de la présentation. Frédéric, est-ce que tu vois quelques questions?